Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul et création. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, j'ai fait deux petits hauls, vraiment un petit tout. Hein. Voilà, j'ai pris des petits trucs sur AliExpress et sur Temu. Temu ou Temu, ou Tiedur, comme tu veux. Voilà. Donc, AliExpress, j'ai pris, alors, comme d'habitude, de ma dentelle, d'accord? Ma petite dentelle froncée, parce que je m'en sers beaucoup. Ensuite, j'ai pris des petits trucs comme ça. Voilà, il y en a une trentaine à peu près. C'est des petits rhodoïdes. Et il y a des petites garnitures. Alors là, ça fait un peu Noël. D'accord? Il y en a avec des fleurs, de la dentelle. Voilà, pour poser sur des petites images, pour faire un style un peu cadre, quoi. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça très joli. Pour mettre sur une petite carte, je trouve que voilà, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un petit peu petit. Si je l'avais eu un plus grand, c'était pas mal aussi. Mais voilà, j'ai pas fait attention trop aux dimensions. Mais vu le prix, c'était vraiment. Alors ça, c'est Temu, je crois. Ouais, non, c'est pas Ali, c'est Temu. Voilà. J'ai pris ça et la même chose en petite bordure dentelle. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, c'est la même chose, mais c'est en petite bordure dentelle. Dentelle, ouais. Voilà, donc vous voyez rien. Je monte encore plus. Voilà, ça fait plein de petites bordures de dentelle différentes à chaque fois. Voilà, qu'on peut mettre autour d'une image si on a envie de faire effet un peu cadre, un peu voilà. Bon, après, je ne vous cacherai pas que je pensais que ça allait être un petit peu plus gros. Mais c'est pas grave. On trouvera toujours le moyen de les utiliser. On prend une petite image et puis on fait tout le tour. Et puis on le découpe. Et puis voilà. Hein. Faut laisser parler son imagination. Donc ça, c'était mieux. Ensuite, j'ai pris des petits dies de fleurs. Voilà. Des petites fleurs que j'avais pas. Voilà. Surtout celui-là. Là, je sais pas si vous voyez bien. Je vous montrerai sur ma création après. Voilà. Il y en a des toutes petites qui m'arrangent bien. Donc, j'avais pas ce genre de dies. Voilà. Je me rappelle plus le prix du tout. Je sais que c'était pas très cher. Mais ça, je sais plus si c'est sur Temu ou Ali. Je crois que c'est Ali. Je sais plus. Sur Temu, j'ai trouvé ces petites perlounettes un peu holographiques là. J'aime beaucoup, elles sont petites tounes. Voilà. Ensuite, sur Temu, j'ai trouvé des nœuds déjà tout prêts. Alors, j'ai pris dans les pastels, dans le rose et dans le blanc, le classique. Hein. Voilà, parce que bon, on n'a pas toujours le temps d'en faire selon la créa, paf, d'un coup, on a un petit nœud de prix. Voilà, surtout, c'était vraiment, vraiment pas cher. Donc, voilà. Et ensuite, sur AliExpress, alors j'ai trouvé des collections de papier de Noël. Voilà, donc,
C'est du papier assez fin. Hein. Voilà, mais je trouve ça joli. Voilà, pour faire des petites cartonnettes. Voilà, en plus, j'aime bien ces papiers. C'est très vintage, très, très classique. Enfin, ça reste le Noël classique, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ces papiers. Voilà. Ensuite, alors celui-là, il est un peu plus... enfantin, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup plus de choses, voilà, un peu plus rigolotes, enfantines. Enfantine. Voilà. Je vous montre toi Lambert. Mais vous n'avez qu'à tourner la tête. Voilà. Un peu plus enfantin. Voilà, j'avais bien trouvé le mot, enfantine. Voilà aussi, c'était vraiment... des prix bien bien abordables. Voilà, et celui-là alors il y en a un peu plus et c'est la collection Winter Holidays. Voilà, mon bon anglais. Voilà, alors là il y en a deux à chaque fois, les pignettes. Là on a les petites, je vais peut-être allumer, non, ouais, les petites étiquettes. La crèche. La crèche ou la naissance de Jésus, c'est plus mieux bien quand même. Voilà, ici Papa Noël. Voilà, et chaque fois, c'est deux fois le même papier. Voilà, donc je ne sais plus si c'était... 3 euros et des poussières, le set de papier. Voilà, pour faire des petites cartounettes pour les fêtes, c'est parfait. Cartounettes ou autre, hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà, vous pouvez même faire un petit album si vous vous sentez, voilà. 15 par 15. Et il y avait ces petits stickers aussi. Oh là, je crois que c'est tout. Ouais, c'était Ali. Ali. Voilà, des petits stickers de Noël. Qu'on peut mettre n'importe où. Alors, il y a les petites cloches, la petite lanterne. Là, Merry Christmas. Le petit pain d'épices. Le petit écureuil. Ici, Papa Noël. Voilà, plein de petits stickers autocollants. Voilà, Papa Noël et le papin, bonhomme de neige, la cheminée, petit fan. Voilà, donc c'était mes petits achats de haul. Voilà, il y a un agrément. Un petit haul parce que voilà, j'ai pris des choses qui me serviront. Voilà, j'achète pas des trucs qui ne vont pas me servir. Et ensuite voilà, je vous montrer ma petite création. Alors, je vais lever tout ça. Voilà, donc j'ai refait, alors je vais monter un peu plus. On va la reculer pour que vous puissiez la voir en entier. Je vais peut-être reculer un petit peu mon pied. Voilà. Donc, voilà, c'est pour une naissance, bien sûr. Hein, voilà. Donc, je suis partie sur la Lodi d'enveloppe. Voilà, la Lodi d'enveloppe qui se présente normalement comme ceci. Donc, la Lodi, c'est... une enveloppe, on va dire, avec plusieurs compartiments, mais avec un socle qui tient en bas. Voilà, donc c'est la Lodi, hein, d'accord. Voilà,
Et j'en avais fait une il n'y a pas très longtemps aussi pour une autre petite fille qui porte le même prénom que la petite fille pour qui est celle-ci. Et je n'avais pas fait de couvercle, j'avais juste garni la loudide, voilà. Et là, j'ai eu l'idée ou peut-être d'autres en ont eu l'idée aussi, mais je voulais un couvercle, je voulais quelque chose qui se ferme. Donc, j'ai rajouté un couvercle sur la loudide. Ici, j'ai mis trois petits scratchs pour pouvoir la fermer. Et dessous, j'ai mis des petits pieds. Voilà, parce que normalement la loudide est comme ça. Donc moi j'ai rajouté des petits pieds dessous en bois de bobine de chez Action. C'était les petites bobines. Voilà. Et j'ai mis ce petit couvercle pour la fermer. Attendez, excusez-moi, si je ne vise pas les scratchs. Voilà. Elle ne fermera pas. Voilà. Donc, ça m'avait bien plu de faire le petit couvercle. Alors là, voilà, je l'ai tout simplement, voilà, j'ai mis le nom de la petite poupougnette, le prénom, pardon, de la petite poupougnette. J'ai utilisé du papier naissance de je ne sais plus quelle collection que j'avais. Ici, j'ai utilisé les petits nœuds de chez Temu. Voilà, les petites fleurs qui m'ont bien servi là. Ici, les petites perles holographiques, voilà, qui font bien leur job, je trouve. Ici, bien entendu, ma dentelle. Ici, j'ai mis quelques petits strass pour donner un petit peu de relief à ma créa. Donc, sur le dessus, j'ai fait une petite poignée pour que ça fasse un peu valisette. Voilà, donc. Il y a la dentelle et puis ici j'ai avec mon ruban et j'ai mis des petites perlounettes. Voilà. Et derrière, tout simplement, j'ai remis un petit nœud. J'ai fait. Là, il y a un fil de colle. J'ai fait à l'aide d'une perfo les bordures dentelles. Je suis venue recoller un petit ruban rose dessus. Voilà, pour que la finition soit plus jolie. Et quand la maman, eh ben, l'aura reçue, eh ben, tout simplement, après, une fois qu'elle l'aura vidé, elle pourra le poser sur un petit meuble dans la chambre du bébé Louis. Alors attendez, ben ça y est, mes yeux, moi il faut que. Voilà. Sinon, je vais à l'aveuglette et ça ne le fait pas. Voilà. On peut le poser sur un meuble après, le remplir de ce qu'on veut. Et je trouvais que ça faisait une jolie décoration pour mettre dans la chambre du bébé. Voilà. Écoutez les copinous et les copinettes. Moi, j'aime bien ces petites fleurounettes là. Voilà, pour faire certaines créations. Alors, oui, vous pouvez me dire, je les fais, ces genres de petites fleurs. Je les fais en satin et vous avez même les tutos sur ma chaîne. Mais des fois, bon, ben, j'ai pas tout le temps envie de me mettre là et de refaire des petites fleurs en satin. Voilà, c'est par époque, je pense. On n'a pas tous envie au moment d'eux. Donc voilà, un petit dies comme ça, hop, on passe en machine. Et puis la petite fleur est faite. Voilà. J'en avais fait un petit stock en satin, mais j'en ai plus. Donc voilà, et en ce moment, je n'ai pas trop envie de refaire des petites fleuronnettes en satin. Chaque chose en son temps. Voilà. Donc, ben, écoutez, les copinous et les copinettes. Je vais certainement en refaire une autre, mais là, pas naissance du tout, ouais, pour moi, pour mettre dans mon meuble. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir, entre guillemets, le tuto, moi, je préfère dire qu'on travaille ensemble. Voilà, que ça vous intéresse de voir
comment j'ai fait ce petit couvercle et cette petite poignée. Et bien, je me ferai un plaisir de le faire en vidéo avec vous. Voilà, les copinous et les copinettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fière de moi. Donc, voilà, je trouve ça mimi. Et puis, voilà, la Lodide, elle est là, mais voilà, en lui mettant un petit couvercle et une petite poignée dessus, je trouve que c'est mimi, hein. C'est mimi, c'est mimi. Voilà, les copinous et les copinettes. Sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Merci d'être là, hein, parce que malgré que mes vidéos soient de plus en plus rares, je pense souvent, souvent à vous. Voilà, on a traversé ensemble beaucoup de choses et ça s'oublie pas. Voilà, donc merci, merci beaucoup d'être là et de me laisser toujours vos gentils commentaires qui sont extraordinaires. Et que je prends toujours un plaisir immense à lire. Voilà, sur ce, ben marquez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord pour qu'on fasse la petite vidéo ensemble, si ça vous intéresse. Ça peut même faire un joli cadeau pour Noël aussi, hein. Voilà, on peut y glisser des chocolats, on peut y glisser tout ce qu'on veut. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je me fais des compliments. Bon, sur ce, j'arrête de dire n'importe quoi. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.